Et salut à tous, c'est Virgile. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore une fois, au Grand Rex. Le retour des vidéos, c'est très bientôt avec la rentrée. Mais en attendant, on se retrouve pour l'avant-première de la série One Piece qui sera diffusée sur Netflix ce soir. Deux épisodes nous seront diffusés. Enfin bref, je vous emmène dans ce lieu encore une fois mémorable. C'est parti, let's go! Ça y est, on est enfin arrivé au Grand Rex pour l'heure tant attendue. Je vous emmène dans cette salle pour peut-être la plus grande avant-première de l'année. Enfin bref, je vous emmène à l'intérieur, c'est parti, regardez ça. Ça y est, on vient tout juste de sortir de l'avant-première et ce que je peux vous dire pour l'instant, sans spoiler, de ces deux épisodes, c'est que c'est une masterclass. Vraiment, ce live-action, c'est peut-être pas l'un des plus beaux live-action que j'ai pu voir, mais en termes d'adaptation de manga, pour moi, faire One Piece, c'est une véritable réussite. Oda a vraiment su retranscrire le manga en live-action et moi qui ai vu le manga étant tout petit et qui ai un peu oublié ça en étant plus grand, ça me donne vraiment envie de reprendre l'animé de base. Donc franchement, les effets spéciaux sont incroyables, le jeu d'acteur est génial. Tout est bien amené pour ces deux épisodes. Attention, il en reste encore 6 à regarder d'ici le 31 août. Donc on va aller interviewer les gens pour savoir ce qu'eux en ont pensé. Et puis tout simplement, je vous laisse avec la vidéo. Alors qu'est-ce que vous avez pensé des deux épisodes qui vous ont été montrés ce soir? Indescriptible, c'est incroyable. On a ressenti toutes les émotions, qu'il est resté fidèle. Merci Oda. C'était bien. Alors, étant fan du manga et de l'anime original, j'ai trouvé ça encourageant parce que c'est une très bonne adaptation, ça suit pas le manga à la lettre et je trouve que c'est très bien, que c'est une bonne chose qu'ils aient fait ça, d'adapter les moments, en tout cas premier, deuxième tome. Et j'attends la suite parce que je pense que ça va donner du lourd. Au début, j'étais un peu sceptique de l'adaptation en live action, que déjà, après ces deux épisodes, j'ai envie de voir la suite. Donc déjà, c'est une victoire. Je trouvais que c'était assez épique, tout est fait pour que ce soit grandiose et qu'on suive une vraie aventure. Déjà, pour moi, c'est l'esprit de One Piece qui est respecté par rapport à ça. Vous suivez le manga depuis longtemps ou pas? Oui, depuis 1997. Moi, depuis 2015, je crois. Ouais, 2015. Ouais, je suis un fan depuis quelques temps, ouais, depuis 3-4 ans, et ça fait bizarre de voir One Piece adapté comme ça en live action pour la première fois, donc moi je pense que ça va être cool. Voilà. Ouais, depuis tout petit. Et au niveau de l'histoire, des personnages, est-ce que vous avez vu que le réalisateur a pris quelques libertés ou est-ce que c'est assez fidèle au manga? Qu'est-ce qu'on en pense? Moi je trouve que c'est assez fidèle, il s'est permis quelques petites bifurcations mais ça reste fidèle. Je suis d'accord, c'était assez fidèle mais j'ai pas aimé 2-3 trucs, j'aurais préféré que ce soit mieux. Mais développe! J'ai pas envie de rentrer dans le vif du sujet mais je pense que certaines personnes seront d'accord avec moi. Ok, on verra en commentaire. Alors... Je pourrais pas dire pour l'instant parce que des fois c'est vraiment des différences subtiles, mais sinon en termes de personnalité, un ami qui arrive à voler sans qu'elle se fasse cramer, Zoro qui est badass parce qu'il est badass, et Luffy qui est un peu naïf encore, moi je trouve que ça a été très bien respecté. Et après on va voir ce que ça donne avec Usopp et Sanji. Et d'ailleurs par rapport à ça, ils ont fait quelques changements du coup dans la live action, du coup sans spoiler, et je trouve que c'est bien parce que c'est ce qu'on attend d'une adaptation, c'est quand même que ça change, pas que ce soit copier-coller du manga, donc c'est pas intéressant. Et justement, ces changements, ça permet aux fans comme moi de redécouvrir l'œuvre et de prendre un nouveau plaisir par rapport à l'œuvre. Et puis même par rapport aux nouveaux spectateurs qui ne connaissent pas aussi One Piece, de pouvoir découvrir l'œuvre sans connaître l'animé. Ce qui est pas mal, c'est qu'effectivement, on découvre un univers et on n'est pas trop rattaché au manga du fait que, tiens, on ne connaît pas tel ou tel personnage.
Donc on peut dire que globalement, les deux épisodes vous ont plu. Franchement, c'était incroyable. Ça va, les deux épisodes. C'est quoi la question ? En général, les deux épisodes, qu'est-ce que... En général, les deux épisodes, qu'est-ce que tu en as pensé ? Non, franchement, c'était bien. J'ai pas vu le temps passer. Merci. Ouais, j'ai très bien kiffé et voilà. J'attends vraiment jeudi pour voir la suite. Ouais, je trouve que ça reprend bien One Piece et que bah, ça peut permettre de le faire découvrir à de nouvelles personnes, tant mieux. Ok, bah merci beaucoup. C'était Virgile.